j'ai perdu Mayu. Allez, relève-toi. J'ai tout perdu. Je suis dans mon seums. C'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave quand même. Oh la vache. Plus de balles de sniper. Et ça, c'est très très chaud. Et ça, c'est très très chaud. Merci. Rien. Attends. Les mecs, ils ont plus rien lâché là? T'es mal, les rats. Ok. Et un couteau. Un couteau de merde. On est bon. Allez, viens. Bon, vous l'aurez compris, on est dans l'épisode 27, évidemment. Donc, l'intro fut très brève. Mais elle a quand même ce don d'exister. Très bien. Ah. Ah. Voilà. Je dois faire. Allez. Plus de balles de sniper chez le seum. On va devoir la jouer à l'ancienne. On a de lourdes, ça peut éclater des gueules. Ok. Ok, on avance. Alors comme ça, t'as terminé une enquête, hein. Bien joué, l'ami. Ouais, bien joué. Ah! C'est dans la décharge. Y a des petits rats à faire. Ok. Allez. Bon, là, j'aurais pas le droit de louper une seule balle, vous l'aurez compris. Bon travail. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? J'en sais pas grand-chose. Eh bien, en vrai, on va sertir cela de ça. Et ça, on va dessertir. Très bien, et on va sertir. Hop. Pas mal, qu'en pensez-vous? Ouais, c'est bien cool. Quand tu veux, bien. Allez, vendre. Carte d'accès, on peut vendre, on s'en bat les couilles. Ça, on peut vendre, mais ça, on peut vendre. Les richesses. Allez! Merci. Acheter. Là, on a quoi? Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Je te souhaite bonne chance. Comme neuf. Multiplié par 1,5, ça c'est ouf. Mais on est à la fin du jeu, donc ça m'embête un peu de... On va peut-être prendre le cœur. On a effectué toutes les améliorations standards pour cette arme. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Est-ce que ce sera tout? Allez, c'est pas mal. Pour te faire tuer, hein. Ça, c'est pas mal. On va prendre ça. Ça, c'est pas mal. On retourne derrière, étant donné que dans le dépôt... Non, dans la décharge, pardon. Dans la décharge, il y a quelques rats à faire. Et là, j'en entends déjà un, d'ailleurs. Viens. Attends. Ok, tout va bien. D'accord. Attends. Ashley. Fais ça, vite fait. Ok. J'ai eu trop peur. Okay. Et tu ne bouges pas, Ashley. Là. Lui, c'est fait.
Là, j'entends pas de rats. On entend des petits pas, mais c'est des gouttes d'eau. Je crois que le dernier est par là-bas. Non. Vous l'entendez? Il est là. Il est là. Ok. Très bien. Très content. Choqué, mais pas déçu, c'est moi qui vous le dis. On va même aller récupérer. En vrai, on va prendre de l'herbe jaune. J'ai beaucoup trop de trucs et j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres choses qui vont se débloquer très intéressantes en termes de business. Est-ce que, je sais pas. Allez, viens, Bibiche. Est-ce que prendre un... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre en vrai? C'est vrai, ça, c'est une bonne question. Un ticket spécial, finalement. Voilà, ticket spécial plus 100 000, histoire de... Occupé d'une... Spinel 3. En quoi puis-je t'être utile? Ouais, 27, hein. 27, hein. Il y a ça aussi qui est cool. Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Ouais. Fais bonne route. Ah. Ah, les problèmes. Oh, là, va y avoir un boss, hein. S'il y a ça, là, cette grue... Ok, il va y avoir un boss. Je vais tout fouiller, sa mère. Oh là 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 là. Elle a réussi à descendre toute seule. On est mort. C'est la plus grosse forceuse des 40 dernières années. Ah! Mais qu'est-ce qu'elle branle? Léo! Regarde. C'est l'ascenseur? Si on pouvait détruire ce mur. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite, ok. Ça va. Ça va, ok, va falloir que j'utilise ça. Très bien. On est bon, on a fait un petit 360 noscope. On est bon. Ok. Allez. Ça va être à elle de le faire, je suppose. Non, c'est à moi. Regarde comment je manipule ça. Ouais, voilà, c'était sûr. Laisse-moi faire. Attends. Hop, elle s'enferme, hein. Bas les couilles, hein. T'es sérieuse? C'est ça qu'on vous apprend à la fac, maintenant? Au courant des dernières réformes. Écarte-toi. Les gars, y a pas de bidon explosif pour rien. Voilà. Je m'occupe d'eux. Bouf. Pas chaud. Alors attendez, je ne fais que passer, mais là on va avoir un autre problème. J'ai entendu quelque chose de balèze. Hein. Ok, bah écoute, merci. Un petit cadeau. Ok, pas mal. Oh.
Ok, ok, ok. Ok. Oh non, oh non. Ok. C'est pas fini. Oncle Jackie. Allez, je t'en supplie. Oh, les grenades puissantes, par contre, c'est exceptionnellement fort. C'est une raclée que vous voulez. Je veux bien vous rendre service. Allez, venez. Venez, 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 venez. Ah oui. Jamais dans la butte, toi. Oh là là. Okay. Oh la vache, oui. Ils apprennent jamais. Oh là là. Eh ben, on en a littéralement pris plein la gueule. Reste là-dedans, toi. Reste là-dedans, je peux voir. Oh là 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 là, le coup du pompe, par contre, c'était majestueux, hein, pour le... Les, comment on appelle ça, là? Les sortes de migales. Par contre, j'ai plus grand-chose en pompe, c'est la merde. Là, j'ai des choix de fou. Sniper, direct. Rien à péter. Fusil à pompe, direct. Rien à péter. Allez. Ok, et là... Très bien. Allez, bien. Ok, t'as vu ça? J'ai trop rassuré. Je crois que t'as trouvé ta vocation. Grutier. Bon, enfin, vous avez pas vu ce que moi j'ai fait, ou... Allez, bien. C'est la merde, je vous le dis. Alors, certains ont aperçu ce qui semble être un étrange cadavre errant, probablement le résultat d'une expérience immonde. C'est dans le labo d'incubation. Quelqu'un pourrait-il mettre fin à son existence pathétique et lui offrir un repos éternel? Éliminer la menace, le cabot, le labo, labo d'incubation. Labo d'incubation. Ouais. Ah, on avait loupé des trésors. Ah bah oui, mais là, on pouvait pas y retourner. Je m'en souviens. Ah! Ah bah si, on pouvait y retourner. Ah, waouh. Ah, ah, oh, d'accord, il y a un raccourci. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok.
Bon, on va mettre fin à son existence. D'accord, il est par là, le labo d'incubation. Bah, go. Go, en plus, on a des trésors derrière, j'aime bien. Il y aura sûrement des autres méchants aussi derrière, par la même occasion. Ouais, je préfère. Ah, un poisson, ça ralasse, hein. Comment ça, mon ref, il y a des trésors ici? Attends. Comment ça? Mais pourquoi ça, je l'avais pas vu? Bah ouais, bizarre. Bizarre. Ok. Oh, ça va chier, les gars. Là, c'est... quête secondaire, ça va chier de fou. Ça va chier, les bulles carrées. Trop fort. Ouais, c'est vrai, ouais. Alexandrite. Ok. Oh, l'artiste. De la qualité, rien que bienvenue. En quoi Alors, attends. Ah. Will point save, tu t'as caché où la machine à écrire? Tant mieux, je préfère quand c'est comme ça. Ok, les amis, on y va au calme. Merde. Ah putain, d'accord, je m'en souviens. C'est là où il y avait un casier pas très loin, qui était juste ici d'ailleurs. C'est donc ça le grand méchant. Ok, tiens, vas-y, écoute. Voilà. Reste ici. Ok. Voilà, je sais pas ce qui va se passer, moi. Ça sent la merde. Et il est là-dedans. Ah quoi? Ok. Il est mort? Il est mort? C'est finito? Amateur, va. Petit amateur, va. Eh bien, Ashley. Ton héros est revenu. Et il est revenu pas les mains vides, c'est moi qui te le dis. Tout ça pour une Alexandrite, par contre, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Bon. Écoutez, je pense sincèrement que quand on aura repris le cours de notre histoire principale, on va avoir les dernières nouveautés, je dirais, du jeu. J'ose espérer. Tu t'es occupé d'une... Eh oui, mon petit pote. Pourquoi tu m'as pris? Pour qui me prend? Eh, c'est vrai que j'ai un fusil d'assaut et tout qu'on a même pas utilisé. Ça bas. Se voit. Un travail bien fait, voilà. Mérite une récompense à la hauteur. Les gars, je peux prendre Alors, ça. Qu'est-ce que t'achètes? Je peux prendre ça. On adore nos herbes, ça oui. Allez, on va juste attendre d'être plus loin. Oh, je t'ai pas vu, toi. C'est un petit coquin. On va juste attendre, pardon, d'être plus loin derrière là où les télécabines nous mènent. Et on verra bien. Ouais, ça mène plus haut. Ça mène plus haut. On a tout récupéré. On est monstrueux. C'est exceptionnel. C'est du boulot très bien fait. Encore une fois, un boulot bien achevé. Bien joué, mon Lyon. Oh, il y a quoi là? Il y a rien. C'est le compteur GGR. Allez! Ok. Y a pas des mecs allongés qui vont se lever et qui vont faire surprise. Tout ça pour ça, frère. Eh, je suis sûr qu'on peut escalader par là. Mais oui, c'est même pas. En vrai, c'est tellement peu pentu. Je suis sûr, tu t'accroupis là-dessus, t'escalades au calme, le bordel. Ils sont foutus de la gueule du monde, putain. Sérieusement, les mecs. Je me disais, on forme une bonne équipe, non?
Sans doute. Peut-être qu'un jour je deviendrai un agent comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? On pourrait protéger notre pays contre n'importe quoi. Si tu le dis. Enfin, pour ça, il faut déjà qu'on sorte vivant d'ici. Mais couillasse! T'es pas drôle. Allez, viens par ici. On va nous raconter des conneries. Là, y'a rien. Ici, on a rien. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Ah d'accord, c'est un petit rappel. J'apprécie fortement. Bon là normalement on va pouvoir se retirer la merde qu'on a dans le corps, non? J'insiste sur le fait que vous devez faire preuve d'une extrême prudence lors du transport des dépôts d'ambre provenant du sous-sol du château. Travaillez avec le plus grand respect et la plus grande obéissance, il est impératif que vous ne perturbiez pas le sommeil du corps sacré. Le sommeil du corps sacré. Viens. Reste à distance. C'est sûrement ça dont Louis parlait. Ah, d'accord. C'est ce qui a permis de récupérer... Los Contrarios. Enfin bon, vous avez compris. Ah. C'est une grande pièce. C'est une grande pièce et ça nous veut forcément du mal. Incroyable. Ok. Bah écoutez, on va aller prendre ce petit chemin qui m'a l'air très adéquat. Très cher Lord Saddler, j'ai l'immense plaisir de vous informer que la production de l'espèce supérieure des Plagas est officiellement en cours. Si tout se passe comme prévu, soyez certains que nous atteindrons notre but ultime. Le Plaga est un organisme absolument fantastique qui a la capacité de vivre dans n'importe quel vertébré, qu'il s'agisse d'un humain, d'un chien ou même d'un corbeau. Ce parasite est unique au monde. L'espèce supérieure est particulièrement impressionnante car elle peut s'intégrer dans son hôte sans endommager le cerveau. Excusez-moi. Personne ne peut s'opposer à votre domination. Mais d'ailleurs, qui serait assez fou pour résister après avoir goûté à la joie absolue qui accompagne l'absence de libre arbitre? J'en suis la preuve vivante, autrefois je n'étais qu'une idiote. Dans quelques jours, j'aurai fini d'administrer le Plaga à tous les chercheurs de haut rang. Bientôt ils sauront, et lorsque nous aurons accompli notre plan, le monde entier saura. Ils sauront, tu seras, blablabli, blablabla. Hop, ça par contre je prends mon pote. Ok, Et ben on est parti, Ça sent le piège, Ça m'énerve. On va aller checker ça. Voilà. Prosternez-vous. Ceci est notre corps sacré. Notre divine providence est bientôt une profonde bénédiction pour tous. Las Plagas. Bienvenue, mes enfants. Je suis Osmund Saddler, le prophète de notre Dieu. Qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Pauvres imbéciles. Pourquoi refusez-vous la grâce? Allez. Abandonne ton corps. Obéis. Obéis à la voix du Seigneur. Seigneur, pardonne à ces pécheurs. Mon fidèle disciple t'infligera ta pénitence. Mon enfant, tu n'as rien à craindre. Soumets ton corps et libère-toi de cette peur.
SP encore embarqué, mais merde! Ah! Elle abuse! Espèce d'enfoiré. Bon. Bah, retrouver Ashley. Retrouver Ashley. Oh, c'est quoi ce double merdier? La police. Voy a bañarme en tu sangre. C'est ridicule. Ok. Des grenades. Développement des défenses comme vous l'aviez demandé. Le réaménagement de l'île est bien engagé. Des armes et autres équipements défensifs ont été installés pour empêcher toute intrusion venue de l'extérieur. Lorsque nous aurons terminé, l'île sera une forteresse géante. Ces défenses ne tiendront pas le long terme, mais elles devraient suffire pour l'exécution de notre plan. Grâce à elles, nous serons plus proches que jamais de notre but final de domination du monde. Personne ne pourra résister à notre puissance. Jack Crozus, évidemment. Ok, pas mal. Pas mal. Et là... Bon, eh bien écoutez, je pense que nous pouvons ramasser cela et descendre. Ok. On a de la munition. Oh, une longue barre gold. Et là, on a quoi? Là, on n'a plus rien. Waouh, j'aimerais beaucoup aller là-bas, mais le chemin a l'air pavé de problèmes. Donc, je pense qu'on va juste aller save les copains. Si vous voyez ce que je veux dire. Opération Javier. Peu de gens en ont entendu parler, même parmi les hautes sphères du gouvernement des États-Unis. Et bien évidemment, cette opération n'a jamais été rendue publique. Elle a été conduite en secret avant d'être enterrée. Pour quelle raison? Tout simplement car elle était trop inhumaine. Tout a commencé en 2002, lorsqu'une petite unité des forces spéciales américaines ont été envoyées pour infiltrer une zone d'Amérique du Sud. Leur mission était d'éradiquer les cartels de la drogue. Il a fallu plusieurs années pour préparer cette opération et seuls les soldats les plus émérites ont été sélectionnés pour y participer. Je ne sais pas si la mission a été un échec, mais je sais ce qui est arrivé à ces soldats d'élite une fois la mission terminée. Apparemment, l'unité tout entière a été anéantie à l'exception du commandant, le major, bon bah Crozer on s'en doute, et pas par les cartels mais par les États-Unis. Extraire une simple unité ne devrait pas relevé de l'impossible. Un seul hélicoptère aurait suffi, mais pour une raison obscure, l'armée n'a rien fait. D'aucuns disent que cette décision résulte d'une lutte de pouvoir au sein des hauts gradés. Selon d'autres rumeurs, il s'agirait plutôt d'un ordre de l'ancien président en personne. Malheureusement, l'affaire ayant été étouffée, nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais je suis sûr d'une chose. Le gouvernement américain a laissé ces gens mourir.
de courageux jeunes gens qui ont donné leur vie pour protéger leur pays. Je veux dénoncer ce crime, non pas parce que c'est ma responsabilité de journaliste, mais parce que c'est mon devoir en tant que citoyen américain. Note 1, ce document concerne l'opération Javier et a été écrit par un journaliste américain du nom de... Note 2, cet article ne sera jamais publié. Nous nous sommes occupés de... Ah. Ok, I'm waiting. Photo de Léon, je t'attends. Ok. Très belle photo, elle n'est pas revenue. Ok, ça me prend. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici, le bleu. J'ai préparé un champ de bataille un peu plus loin, rien que pour toi et moi. Plusieurs générations l'ont imprégné de leur sang au cours des siècles. C'est l'endroit parfait pour mettre fin à ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ok. Quitter le campus avec la cible, escorter la cible, ok. L'unité d'Able vous suivra. Conduisez en empruntant la route habituelle. Phase 2, arrêtez le véhicule en prétextant un problème moteur. Transférez la cible vers le véhicule d'Able. L'unité, ok. C'était un bon kidnapping là qui a été fait. Hein. Très bien ça. Ouais, mais réelle question, faut sucer qui pour save là, parce que c'est pas ouf hein. Oh, trop bien. Le petit truc caché un peu à gauche à droite, on apprécie fortement. Merde. Le con. Vous y croyez à la save de l'autre côté, vous? Pas mytho que moi, non. Hein. On y croit, bien c'est sûr. Un œil. Quelque chose va allez, ça me plaît, ça. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, j'espère. Ce double épisode vous a plu, je vous fais des bisous. À bientôt, tout le monde. Bye bye.